Pour le prix du nouvel arrivant engagé, vos finalistes sont proposé par les petits frères, Raja Al-Dawalibi est au cœur de l'inclusion de la richesse interculturelle. Comme beaucoup d'autres Syriens, Raja a quitté son pays suite à la guerre civile pour s'établir au Québec. En moins de 3 ans, elle a quitté ce qui lui était familier, a appris le français, a suivi une formation collégiale et a décroché un poste en comptabilité. En 2016, Raja s'implique en cuisine chez les petits frères pour favoriser son intégration tout en partageant son expérience antérieure en bénévolat auprès des personnes âgées et seules. Que ce soit dans la confection des repas, dans son stage en comptabilité ou encore en tant que chauffeur pour les personnes âgées, Raja fait preuve d'une minutie exceptionnelle. Merci à Raja Al-Dawalibi pour son implication. Proposée par Amnesty International, Jessica Lubino est au cœur d'une planification efficiente des activités d'Amnesty. Arrivée au Québec depuis peu, Jessica a su rapidement s'impliquer dans plusieurs organismes communautaires. À son arrivée chez Amnesty, elle a été jumelée avec une bénévole d'expérience pour faciliter son intégration. En tant que bénévole chez Amnesty, Jessica a effectué avec minutie la saisie de données des signataires de pétitions qui sont au cœur des actions de l'organisme. Par sa disponibilité, sa rigueur et son assiduité, Jessica a contribué à accroître l'efficacité de l'équipe de bénévoles. Merci à Jessica Lubino pour son implication. Proposée par Fondation Sénégal Santé Mobile, Mambisine Vinette est au cœur de l'essence même de l'organisme. Expérimentée en communication et ayant des origines sénégalaises, Mam a rapidement cherché à développer son réseau après avoir quitté le Royaume-Uni pour Montréal en 2016. Elle a donc rejoint la Fondation Sénégal. Dès son premier jour, Mam a eu l'initiative d'offrir ses conseils de communicatrice avisée. Depuis lors, elle s'implique au gala de financement pour le projet Pads for Homeless et bien d'autres. L'impact de l'implication de Mam a été considérable pour la Fondation par la créativité, le professionnalisme et les innovations qu'elle a su y développer. Merci à Mam Bissine Vinette pour son implication.